là pour Move de rue et Indigo Benz. Et est-ce que c'est la première fois que vous venez ici au Fête de la Musique avec le Move? Pour ma part, c'est la troisième. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois aussi. Ça fait deux fois aussi, mais pour le Move, c'est la première fois, il me semble. Est-ce que l'ambiance est bonne? Oui, l'ambiance est toujours bonne. Les gens sont contents. Voilà. Ben, je trouve ça chouette. On est dans l'ambiance avec plein de monde, tout ça. C'est amusant et on se fait connaître comme ça. Ouais, c'est bien. Les gens, ils sont réceptifs à la Louvière, donc c'est cool. Ça vous fait quoi en fait, de sortir un peu des murs de l'Indigo? C'est cool, ça change, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses. C'est chouette parce que c'est un peu une consécration de ce qu'on fait pendant l'année. Du coup, on peut montrer un peu notre travail et qu'on n'est pas des ploucs, quoi, c'est chouette. Donc en fait, c'est le Move qui est venu à moi, pas l'inverse. Du coup, depuis, j'en fais partie. Et quand on m'a parlé du projet de Move, bah, je me suis dit que c'était cool et ouais, c'est chouette. C'est en globalité, je voulais voir Indigo Benz, mais je faisais aussi partie du Move de rue, donc j'ai voulu faire une pierre deux coups. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au Fête de la Musique ici à la Louvière? C'est la première fois et c'est une belle expérience. Moi, j'avais participé à Décrocher la Lune en septembre 2022. Et puis après, Steve avait créé un projet Move de rue avec un groupe de Bruxelles qui s'appelle Drum. Et j'ai demandé pour joindre et Steve m'a dit oui. C'est la première fois que tu viens au Fête de la Musique ici à la Louvière avec le Move? Avec Indigo, oui. Mais les autres années, je venais moi tout seul venir voir le spectacle, les concerts. L'ambiance est bonne, très bonne. Et il fait bon aussi. La chaleur, le soleil. On peut les appeler bien fort, oui.